Bonjour à toutes et tous, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du siège gamer Downix. Voilà, bon, moi c'est un siège qui est déjà très très bien conçu, moi je trouve, hein, je me le suis acheté pour des parties gamer. Tout est renforcé, tout est étudié pour qu'on se sente à l'aise dans le siège. Alors, comme ici vous pouvez voir, il y a le coussin. Voilà, le coussin pour tout ce qui est au niveau de derrière la tête. Il est très très doux, souple. Après, en bas, vous avez ici le coussin pour les lombaires. Et en plus de ça, vous pouvez l'alimenter sur l'ordinateur. Il masse. Et je vais vous mettre en route pour que vous voyez, enfin, pour que vous entendez le massage. Si j'y arrive, voilà. Vous voyez, une masse, c'est pour tous les joueurs qui sont qui font des très longues parties. Comme ça, ils ont pas mal au dos. Vous voyez, ça, ils sont tranquilles avec ça. Bon, quand même, c'est un siège qui est un très très bon siège avec son coussin masseur pour les lombaires. Vous voyez, qui est ici. Moi, je le trouve hyper sympa et je trouve que c'est très bien étudié. Alors c'est que tout le siège est en simili-cuir, vous voyez, ici, simili-cuir. Il y a derrière aussi simili-cuir, le derrière est en simili-cuir aussi, comme vous pouvez voir. Moi je trouve ça, déjà on n'a pas trop chaud dedans, c'est tout cousu à la main, vous voyez, tout est cousu à la main. Là, ensuite, ici, au niveau des accoudoirs, vous voyez, c'est rembourré aussi. Les finitions au niveau des roulettes, elles sont pivotantes à 360 degrés, comme vous pouvez voir là, ici, à ce niveau-là. C'est des roulettes pivotantes à 360. Il y en a 5. Je trouve ça là. Vous avez aussi un repose-pied qui se trouve ici, sous le siège, que vous pouvez ensuite... J'enlève le casque parce qu'il gêne. Voilà, vous avez un repose-pied ici. Quand vous voulez faire vous reposer ou quand vous faites des parties, vous voulez avoir les jambes un peu tendues. Moi, je trouve ça super sympa. C'est ce que je fais le soir, hein, tranquille, quand je fais mes petites parties. C'est assez sympa. Voilà. Après, pour le rentrer, c'est très simple. Vous le refaites pivoter. Vous le reglissez sous le siège. Et voilà. Il ne gêne plus. Ensuite, quoi dire de plus? Ben, quand vous inclinez le siège, vous pouvez l'incliner jusqu'à 180 degrés. Je vais essayer de vous montrer ça sans faire une mauvaise manipulation. Bon, attendez, je vais me mettre dessus. Voilà. Là, vous pouvez voir. Vous avez la manette qui est juste là. Là, où il y a ma main. Là. Vous voyez ma main? Hop, là. Vous inclinez le siège à 180 degrés. Bon, là je vais pas aller jusqu'en bas parce que sinon je vais m'endormir. Mais voilà, vous pouvez incliner votre siège à 180 degrés, qui est déjà très intéressant. Moi je trouve ça super bien. Quand vous voulez faire une petite sieste ou vous le reposez après un jeu, vous pouvez incliner aussi la. Mettre le repose-pied, ça serait déjà un plus, hein, déjà. Mais pour le prix, moi je trouve que c'est assez assez bien. Il fait 190 euros sur Amazon. Moi je trouve que c'est un très bon prix au niveau qualité-prix, comparé à d'autres, des très très grandes marques. Downix est une marque aussi de gaming. Bon, moi je trouve ça bien. Bah, les dimensions du siège, bah, ils font 86,4 de large, de long. Sur 73,7 de large, sur 118 de hauteur, bah, il peut supporter un poids de 350 livres. Déjà, ça fait déjà beaucoup. Ça fait environ 158 kg. C'est déjà très bien. Et le poids du siège est de 22,5 kg. Bon, vous voyez, c'est déjà un bon siège. Hein, c'est un très très bon siège. Après, que dire de plus dessus? Je pense que j'ai tout dit. Les matériaux, voilà, c'est un cadre... En alliage, il est recouvert de simili-cuir, comme j'ai dit tout à l'heure.
La qualité du tissu est cousue à la main. Et la mousse est une. Il y a une mousse de haute densité dessus, de 5 pouces, pour un confort optimal. Vous voyez déjà, c'est pas de la gnognotte. Après, pour ce qui est du siège gamer, moi je le recommande. Bah, déjà pour son confort et la qualité. Voilà. C'est pas de la publicité pour la marque. Hein. Ils m'ont rien donné pour le faire. C'est juste que j'ai fait une vidéo pour montrer qu'il y a des sièges qui sont attractifs, à très bon prix et de très bonne qualité. Bah, le prix n'est pas excessif pour seulement 190 euros, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, sur Amazon. Comparé à d'autres sièges que j'ai déjà essayé aussi, j'en ai essayé deux ou trois. Au niveau confort, c'est pas trop ça, mais celui-là, pour moi, qui est souvent mal au dos, bah, je trouve qu'il me va très très bien. Voilà. Ben voilà les amis, pour ce siège, moi je n'ai pas trop de choses à dire dessus, à part que c'est un très bon siège. Ben alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas d'activer les notifications pour que je puisse vous faire d'autres vidéos et m'inciter à vous en faire des plus sympas. Voilà. Bah, activez les notifications, abonnez-vous, et puis n'oubliez pas de commenter la vidéo et puis de lâcher un like. Merci beaucoup. Allez, à une prochaine. Ciao.